everything but my life. Now, it has come back for it. Survive them. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live sur Tchernobylite, un jeu qui a été kickstarté sur différents sites et qui sort enfin aujourd'hui dans sa version. Donc il n'y aura pas de webcam au début. Juste histoire de voilà et du coup on va se lancer. Donc c'est un jeu qui a été kickstarté, du coup comme je l'ai dit, sur Kickstarter plus sur un autre site il me semble, et il sort enfin en accès anticipé pour tout le monde. Donc vous pouvez le trouver sur Steam pour 20€, un truc comme ça, et on va faire une nouvelle partie. Let's go. Ça veut bien marcher, voilà, c'est bon. La vidéo. Oh, je suis désolé, j'ai passé la vidéo sans faire exprès en voulant me muter. Donc on va retourner sur le menu et on va recommencer. Arrêtez. Je peux pas. Petit fail. Hop, est-ce qu'on peut appuyer? Yes, nickel. Sortie. Oui. Oui. Entrée. Oh, ça a quitté le jeu, putain. Une lag. On va y arriver. Hop, nouvelle partie. On va y arriver. C'est bon, ça fonctionne. Je touche plus à rien maintenant. Ingrid. In respect, to be faithful to you and not to forsake you until death do us part. Ok, bon, bah en tout cas, ça a l'air un peu spécial comme jeu, hein. On verra bien. Bon, faut prendre en compte quand même que c'est un jeu en accès anticipé, donc il se peut qu'il y ait des trucs qui vont pas, etc, etc. Конечно,
Et donc elle, c'est sûrement notre femme. Mais la webcam après, hein, vous inquiétez pas. Ok, on peut bouger. En tout cas, c'est bien parce que j'ai pu changer les touches. J'ai pu mettre ZQSD. C'est juste excellent parce que il y a des jeux où tu peux absolument pas le faire. Ça, c'est très chiant. Mais là, on peut. Donc, c'est bien. Ok, donc on peut avancer. Je suppose que je peux courir. Ouais, bon, si je cours, je suppose que je vais les dépasser. Donc, ça va être relou. Il va falloir que je les attende. Ouah! Lâche. Oh my god. Est-ce que je reste sans la webcam pour ce jeu? Ou alors, histoire d'avoir une immersion? Ou je la mets et bah les couilles de l'immersion. Oh, je lis même pas les sous-titres, putain. Ça freeze. Ça freeze. Bah alors là, c'est pas ma faute, hein, si ça freeze. C'est pas ma faute. Alors. Ah ouais, d'accord. Donc c'est soit be polite, soit yell at him. Ah, on va mettre ça. Comment je fais? F pour confirmer. Ok, donc les choix sont en anglais, bon bah ça fallait s'y douter, hein. Entrée des égouts apparemment. Comment je fais? Oh, c'est plus être accroupi là, c'est être allongé par terre. Reste dans l'ombre. Ok, t'inquiète, c'est pas. Je comptais pas ne pas rester dans l'ombre de toute façon. Ça, on est bien. Les objectifs sont marqués sur la boussole. Utilisez-la pour naviguer dans l'environnement. Ok, donc faut que j'aille là-bas là, à 126 mètres. Ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont déjà mis avant que j'ai cet objectif. Ça faudrait voir pour changer. Est-ce que j'ai une carte quelque part? Oui. Mais il est là-bas. Trouver de la Tchernobylite. Ok. Des gens? Il y a personne. Oh, je m'emmerde. Côté. Je te fais pas voir. Ah oui, il y a des mecs. Y a des... Ok, appuyez sur... Elle même pas à savoir c'est quelle touche. Ok. Ok, donc je peux pas aller là. Comment je suis censé faire pour ne pas me faire voir? Ok, donc j'ai cette barre là quand je vais me faire voir. Que je puisse passer par là, changer d'endroit. Ah, oulol. Il a failli me voir. Dispo sur PS4, je ne pourrais pas te dire. Il vient de sortir en accès anticipé en fait. En général, les accès anticipés elles sont pas disponibles sur les consoles. Mais qui ne tente rien n'a rien, tu peux regarder toujours. Comment je fais pour passer là? Là-bas qui regarde.
pas passer là déjà. J'ai d'avancer là en fait. Juste pas me faire voir. Un Gugus. Parti là-bas. Là, je suis obligé de passer par derrière lui. Tiens. Ok. Restons calmes. Nickel. Faut qu'il se retourne parce que sinon on est mort. Il y en a un autre là-bas. Ok. On passe par là, en dessous de la... en dessous du véhicule. Il demande quand même pas mal de ressources, hein, parce que... Après, je suis en épique. C'est nos potes. Mais... nos potes, ça? Ah, c'est nos potes. Vous avez pas reconnu? Mais ouais, c'est nos potes. Non, mais va les reconnaître, quoi. Comment tu veux savoir si c'est ou pas? Bonjour. Je pouvais pas mettre la webcam avant, il y avait quelqu'un derrière moi et je... voilà quoi. Là, je l'active, c'est bon. Juste, vous me dites si vous préférez sans la webcam ou avec la webcam et on avisera, c'est tout. Ah putain, faut que je parle. Utilise ton compteur GGR et vérifie les radiations, tu vois. Comment je fais? Ouvrez votre inventaire. Comment j'ai fait tout à l'heure, ok. Et là, faut que j'appuie sur 1 pour le prendre. Ok. Ça marche pas. Ce sont des contrôles. Ah. En gros, ça marche pas ton truc compteur GGR. F. Oh, puis on va l'équiper comme ça. 6, да. Так себе, конечно, но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Tu n'es plus en sécurité. Comment on s'en sert? J'ai pas mis mon masque, moi. Eux, ils ont un masque, moi j'en ai pas. Хорошо. Я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. Et moi, je fais quoi? Et moi, je fais quoi? Ok. Tant pis, je fais rien. Lui, il protège ses 6 heures et moi, je protège que dalle. Ah, mais si. Navigate tout. Oh, il y a masse. Oh, il y avait masse de radiation là. C'est où qu'il y avait masse de radiation? Et ici là. Y'a pas une lampe torche? J'ai perdu mes potes. Oh là, oh là, oh là, max radiation, masse radiation. Repart. Attendez-moi les copains. J'ai tellement plus l'habitude d'avoir d'avoir le... Oh le flash. Oh le flash que je viens d'avoir, my god. De radiation. What? Il est passé où mon pote? Ok, il attend derrière. Ah, mais je peux taper au corps à corps. Fais gaffe, il y a des murs. Comment ça, fais gaffe, il y a des murs? De quoi fais gaffe, il y a des murs? Пять бар. И растет. Ты уверен, что не рванет?
C'est moi passé? Bon bah je passe là-bas. Bah c'est là que je devais passer de toute façon. Allez on y va. Dans quoi? Mais c'est quoi cette touche? Ce sont des contrôles, armes de mêlée. Touche, attaque. Censé être clic gauche quoi. Oh, en même temps, mais waouh! Oh là là, ce professionnalisme! Ah, tu es entré dans un mur. Ah bon? J'ai même pas fait gaffe. Je peux même pas récupérer son arme, quoi. Putain. Ça me dégoûte. Sidéré. Laissez-moi passer. Mais, alors là, c'est qui lui? Mais de où il est rentré avant moi? J'ai pas. Ok. Y'a rien à récupérer en fait dans le jeu, c'est juste pour l'instant on avance quoi. C'est l'intro. Oh, un plan. Merde. Ok. Bon bah, si on le récupère même pas avec nous. Avance. Igor, ne trate время. Разберись с этой чертовой. Ah mais c'est là-bas que je dois aller. Hop. Игорь, не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? Alors, je parle à Tatiana. Je trouve des excuses. Ou j'appuie sur le bouton. Bah, je parle à Tatiana. Эти голоса, ты их не слышишь? Они же давно мертвы. Но они разговаривают со мной. Что? Что ты, черт подери, несешь? Non, je me sens pas bien, gros. J'entends des voix dans ma tête. Il y a Tatiana qui me parle. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Поступай, как знаешь. Ладно, Антон, пойдем. Вперед, в помещение реактора. Ah, super. Oh, le mec, je lui ai dit, j'ai pas envie de le faire et. Ok, on le fait pas. Super. Super, super. Avancez, nom d'un chien. Putain. Les caméras là. Bon, on s'est fait repérer les gars. Hein. Clairement, ils voient 4-3 mecs arriver. Un avec un détecteur GGR et deux avec des calaches. Oh wow. Il parle. Les sous-titres français et maintenant on a les sous-titres en anglais quoi. Oh, attends, quoi? Prendre. Oh génial. Il y a des trucs à prendre sur lui. Wow, c'est joli, hein. Allez, on prend un caillou. Des sautes d'image. Moi j'ai rien, j'ai pas de BS, j'ai rien. What, c'est qui lui? C'est nous mais dans le futur. Étant donné qu'on a un truc qui nous permettra de sauver notre femme
sûr et certain, lui c'est nous, mais dans le futur. Ouais. Alors le truc, franchement, si c'est vraiment ça, mais c'est vu à 3000%, quoi. On est un mec qui a une arme qui permet de retourner... qui permet de travailler avec l'espace temporel. Et bizarrement, t'as un mec qui sort de nulle part, qui connaît Tatiana. Genre, c'est pas... Genre, le mec, c'est pas nous, mais dans le futur. Ou dans le passé. Il serait bizarre. Il serait bizarre parce que normalement il devrait nous connaître. Mais le truc c'est que... Ou alors c'est un nous mais... d'une dimension parallèle. Tu es sûr que c'est le réacteur de Tchernobyl? Alors c'est pas... En fait c'est pas le réacteur de Tchernobyl. En fait c'est un truc qui a créé une sorte de... En fait, apparemment... Si j'ai bien compris, ce qu'on a vu, en fait, c'est du Tchernobylite. C'est une sorte de composé radioactif qui a créé, après, qui a été créé après, l'explosion de Tchernobyl. C'est une sorte de d'uranium, quoi. C'est grâce à ce truc-là qu'on peut mettre dans notre flingue et qu'on peut se balader dans le temps, apparemment. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Корьем. Bon, ça, le corium, c'est quoi le corium? Да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Regarde là-bas, il y a une sortie, je vois même pas où c'est. Même moi, je vois pas où c'est. Давай встретимся у Михаила. Ай, черт, моя рука. Так болит. Сломано. Я убью тебя, ты. Ублюдок в черной маске. Антон! За Антона. Антон! Антон! Ты ла, Антон? Да, moi, je dois aller là-bas, là. Ah, c'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Il y a des trucs qui sont pas nets, hein. Il y a des trucs qui sont pas nets. On en saura plus. Après, comme j'ai dit, je sais pas du tout si le jeu est complet. Je sais, d'après ce que j'ai vu, il y a au moins 7 à 8 heures de jeu qui ont été faits. Est-ce que le jeu dure 7 à 8 heures? N'en sais foutrement rien. J'en sais rien. Donc, je ne sais pas. What? Неужели это я сделал все это? Ok. J'ai peur d'aller dans l'eau comme il y a les éclairs. Je vais dans l'eau, j'ai peur de la vie, non? Wow, on commence à monter de ouf hein, dans le niveau de radioactivité là par contre. Ah, il y a un bunker. On va aller dans le bunker. Appuyez sur... Merde, j'ai pas eu le temps de voir. C'est quoi la touche? C'est quoi la touche? Ah, je l'ai trouvé, c'est V. Y'a un petit bug à ce niveau, les gars. Hein voilà. Pardon. J'étais en train d'avaler ma salive en même temps, là. Ça va pas le faire. Mais comment il a fait pour aller là? Alors là, franchement, c'est pas logique, hein. Là, franchement, Farm 51, je sais pas ce que vous faites, mais ça va pas, tout ça, hein. Pas m'expliquer comment le mec il a fait pour passer là alors que moins que ce soit un fantôme. Mais bon, je veux bien qu'on dise des trucs. What? Mais what the fuck? Mais c'est quoi ce truc? Mais en plus il bouge tellement bizarrement. God. Et sur R pour faux. Et ça commence. Qu'est-ce qui commence? Ah, apparemment, je peux pas passer. Il y a trop de radioactivité en moi, je suis un homme radioactif. Mais putain, parle français, il y a des traductions en français et des traductions en anglais, quoi. Je n'aurais pas réduit mon niveau de radiation. Merde, comment je fais? Pour émettre une onde radar à partir de votre analyseur environnement et scanner.
Analyseur d'environnement et en évidence éléments que vous pouvez trouver. Cherchez un médicament près des portes. Près des portes, près des portes. Quelle porte? Celle-là, là. Ok. Cherche une bouteille, Igor. Tu es malade. Je suis malade. Là-bas. Une bouteille. Ok. Maintenant, j'appuie sur mon inventaire. Je fais ça, j'appuie sur F. Et maintenant, je ne suis plus malade. Je suis plus malade. Ça commence à avoir peur. Bah oui, c'est un peu le but du jeu quand même. Les petites frayeurs. Par-ci, par-là. Après, c'est un open world. Hein. Enfin, il me semble que c'est un semi-open world. Donc, on verra. Sinon, pour... Tiens, attends, on va regarder maintenant. Hop. Chernobylite. Ok, sur Steam. Ah, il sortira sur PlayStation 4, mais alors, quand? Ça, je ne pourrais pas le dire. Alors. Sorti le 16 octobre, la version définitive est attendue pour 2020. Ça précise pas s'il est... Bah, regarde, il est peut-être en accès anticipé sur PS4. Mais je pense qu'il sera disponible sur console que quand... il sera sorti totalement, quoi. Donc il y a des trucs là. Il y a des trucs par là. Ça apparemment c'est comestible ces trucs là. Ces petites conneries là. Ça c'est comestible. Donc on va les prendre. On va les prendre bien entendu. Je vais juste regarder un truc. Non c'est pas ça. Option de contrôle c'est pas ça. À chaque fois je me fail. Tac on va activer ça pour voir. Appliquer. Pour voir si c'est déjà plus stable. Ça a l'air. Ça a l'air. Hop, nickel. Pièces électroniques, nickel, super, des petites pièces électroniques, on va pouvoir faire des trucs sympas avec. Calmons-nous, calmons-nous, c'est bon, j'y vais pas, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ok, par là, y a rien. C'est vraiment, on est dans un monde post-apo, hein. Clairement. Hop, y'a un truc par terre, de l'herbe. Ok, oh, regardez. Arrête de regarder dans le feu. On doit préparer notre dîner. Ah ouais, super. Oh, c'est génial. Médicaments. Je peux créer des médocs. Médicaments qui mélangent de à la base cuit lentement, restaure un peu de quantité de santé. Ça, il me faut des produits chimiques. Des chimiques. Et bah ça, on va fabriquer. Ça va, ça se fabrique assez rapidement. C'est plutôt cool. Là, apparemment, pièce mécanique, inflammable. Là, il y a des trucs. On va voir s'il vaut le coup. Bah ouais, bah justement, on est là pour ça, pour voir s'il vaut le coup. Finalement, il coûte une vingtaine d'euros, je crois, et sa version finale coûtera dans les 30 balles. Je pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah c'est le radioactif, hein, tout simplement. C'est... Allez là, je suis allé. En tout cas, moi, je le trouve sympa. Pour l'instant, bien entendu. On verra après si... Oh. En tout cas, apparemment, faut bien jouer sur tout ce qui est craft comestible. Hein, apparemment, ça va vraiment être nécessaire d'avoir tout ce qu'il faut. Un fireplace. Y'a rien ici. Après, il y a d'autres trucs, mais bon, on va pas passer notre vie à ramasser tous les objets non plus. Je vois, je peux changer de truc. Mais je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on change. Attendez. Si je fais ça, non. Si je fais ça, non. Hop. Okay, j'ai fait un truc qui fallait pas. R pour défiler vers la droite. Ok. Et T pour défiler vers la gauche. Ok, donc ça c'est les pièces mécaniques, ça c'est les rations de nourriture, ça c'est l'autre, ça c'est les champignons, produits chimiques. Ok. D'accord. Changer quoi? En fait, bah sur le compteur GGA, en fait, je peux changer. Par exemple, si je veux qu'il me trouve que les pièces mécaniques, bah il va me mettre que les pièces mécaniques. D'ailleurs, ça c'est pas une pièce mécanique, gros. Hein.
Utilisez la cure de guérison pour guérir vos blessures. Ah merde, ok, je suis. Ça, la cure de guérison, yes. Allez hop, utilisez. Ouh là là, ça fait du bien. Là, il y a des trucs inflammables. Les Electronic. J'ai oublié de faire ma pub putain, sur le. Password, password. I don't remember it. Is serious, it's me. Non, c'est F. Mais gros, parle français. Nostalgia. Ты же сам его выбрал, черт тебя дери. Давай, заходи. Слушай, Игорь, ты же у нас... Ты говоришь français aussi, hein. Bon, je dis... Ok. Accepte le fait que tu ne parles pas français. Давай, чувствуй себя как дома. Et je peux rentrer? Merci, gros. Ça me fait plaisir. Commencez à construire votre base. Appuyez, nanana. Vous construire, vous ne... Vous n'avez pas les ressources, vous pouvez recycler les éléments dont vous n'avez pas besoin. Ok. Ok, donc va falloir reconstruire toute notre base. Bah, ça risque d'être compliqué. Hein. Le bordel dans les cas allés. Dans l'état qu'elle est. Pardon. C'est où ça? De l'autre côté. Oh, cool. Oh, des lunettes. C'est la VR avant l'heure. Projector. Pas mal. Ah, je dois aller où maintenant? Ok, je dois aller là-bas, mais on va fouiller un peu avant. Oh, c'est joli! C'est magnifique! My god! On n'est pas encore prêt. Ok, désolé. Your final mission, take your resource equipment. Ok, d'accord, excuse. Et je sais pas où c'est que je dois construire, gros. Tu me dis de construire des trucs, mais tu me dis pas où c'est. Sachant. T'es à l'intérieur? Ah, B pour commencer la construction. Ok, il fallait le dire avant. T. C'est ridicule par contre ça. Clairement, c'est ridicule. T'es en train de me dire que je suis en train de récupérer tout ça là? C'est dans mes poches? Attends. T. T. Attends, mais juste en faisant ça, je récupère que un ou deux pièces mécaniques? C'est ridicule par contre. Ok, donc maintenant, maintenez RB pour maintenir en mode rotation et F pour entrer. Donc F, ok, maintenir RB, maintenir RMB, c'est clic droit ça. Ok, donc on va le mettre comme ça. Voilà. On est passé pas trop contre le mur. Non, attendez. On va bien le mettre bien contre le mur. Hop, F. Calme-toi par contre. B pour quitter. Non, c'est tab pour quitter. Ok. Maintenant. Non, mais calme-toi. Ok, je peux construire plein d'autres trucs. Ah, mais je suis obligé de construire tout en fait. D. Ok, ça, qu'est-ce que c'est ça? Unité. Toutes sortes d'outils qui vous aideront à construire de simples clous, de tours électriques. Décoration, on s'en branle. Une table de travail ordinaire. Et ça, c'est un meuble. Du coup, bah, on va construire ça. Hop. Je ne peux pas. Je ne peux pas le créer. Ah si, c'est bon. Mais non, mais arrêtez. Qu'est-ce que c'est ça? Une presse hydraulique. Mais attendez, mais qu'est-ce que je dois faire? Bonsoir, Maverick. Comment vas-tu? Ah ok, ça me permet de construire plus de trucs. D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Qui c'est qui parle? C'est pour faire de la pub.
Ça va et toi? Bah écoute, moi je vais toujours bien, moi. Toujours. J'arrive pas à... J'ai une pub sur notre propre live. Encore, on gagnerait de l'argent avec ces pubs-là, ok, mais avec celle-là, on n'en gagne pas. Je joue au frisbee avec mon PC. À ce point-là? Oh, faut pas jouer au frisbee avec son ordi. Ça charge constamment, c'est lourd. Hop. C'est bien comme ça qu'il s'écrit le nom du jeu. Chernobylite. Chernobyl. Sur la chaîne Twitch. Hop, voilà. Si là, ça te gave. Ah là là. Я тут случайно услышал твой разговор. Что собираешься делать? Собираюсь взломать чертов сервер на, пожалуй. Так ты ему доверяешь? По-моему, он чокнутый какой-то. Да, можно и так сказать. Вот la musique derrière, je trouve, elle va pas du tout en post-apo. Сможем сделать это в любой момент. С помощью манипулятора я смогу открыть портал, и мы выберемся. Но я не сделаю этого, пока не найду Татьяну. Татьяна, trust Michael. Alors. Don't understand, love is more important than risk. Bon allez, on va mettre Tatiana. Moi, je suis à fond sur Tatiana, moi. Дело не в серверах, не в Михаиле. Дело в Татьяне. И это моя первая зацепка. Шансов мало, но я хочу попробовать. Ой, ну прости, что стою у тебя на пути, Ромео. Просто... Ну что, если это мой единственный шанс? Relance Twitch, ok. En fait, le truc, c'est que le mec, les trois font sur sa femme qui est morte durant les problèmes de Tchernobyl. Eux, à ce point, il veut vraiment retrouver sa femme, quoi. À 100%. Ah, faut peut-être récupérer. Enfin, on a un flingue. Essaye sur la console. Ah, carrément. Carrément, t'essayes sur la console, quoi, ça rigole plus. Par contre, vraiment, il y a un truc qui me gave. Putain. Ça me gave, ce truc, putain. Je peux pas appuyer sur deux. Comment je fais pour changer de... Comment je fais pour récupérer le flingue? Regardez. Équipe. Ah, je suis obligé de changer comme ça, en fait. Recharger. Partain. Ok, donc là, choisissez une mission que vous ferez seul et celle que vous voulez assigner à votre compagnon. Maintenez, je pense que c'est quoi? C'est F. Non, c'est maintenir entrée. Donc genre Igor, ce que je peux faire, c'est l'assigner Igor, c'est moi. Igor, c'est moi, donc je vais pas faire ça. Je vais lui donner ça et moi je vais prendre ça. Il y a beaucoup d'activités ces derniers temps. Nous avons intercepté un message concernant l'avitaillement de provisions. Et ça, c'est quoi? Michael prétend être un agent super secret. Ah non, attendez. Je vais donner ça à Oliver, à Olivier. Et moi, je vais prendre ça. Voilà. Tout simplement. Et ça, bah... ça. J'aurai la fouille pour des provisions et des indices. Bon, à voir comment ça rend. Mais j'apprécie pas trop ce genre de truc. À voir comment ça rend, quoi.
genre de truc où tu dois assigner des missions aux gens et après. Et si ça rend pas très bien, ça je suppose que c'est genre un menu de chargement. Merde. Почему ты здесь? Кто тебя послал? Боже. Они же просто обычные парни. Ok, tu me diras si ça fonctionne, Ingrid. Du coup. Le chargement. Il dure 20 ans. Ah. Moscow Highs, afternoon. L'heure tourne. Bientôt, vos ennemis s'aperceront de votre présence. Vous pouvez utiliser le générateur de portée pour vous effacer. Il y a peu de retour. Avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Oula, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. On va prendre... Rien de... C pour le menu rapide. C. 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 G. Besoin. Branche. G. Prier. Quick menu. Ouais, mais... Marche pas. Re... Ça marche pas, leur quick menu à la con, là. J'ai obligé d'aller là. Si je fais équiper, ça me met quoi? Ah ouais, ok, c'est mon truc. Ok, donc ça, on va éviter de l'utiliser. Par contre... Ah ouais, ok, c'est l'icône du Tchernobylite, ok, d'accord. Ça, je sais pas ce que c'est pas marqué. Ouais, ça, munition de revolver, ok. Ah, j'en ai blinde. J'en ai blinde. On va recharger. Mais je suis déjà full. Ok. Hop. C'est chiant, je suis obligé de passer par le menu, parce que je n'arrive pas à tout fouiller, en fait. Un mec là. On va passer par derrière. Moi j'avance clairement devant lui quoi. Bon, il y a encore des petits problèmes apparemment. Hein. Les mecs ils... What? What? Il est passé où le mec? Il est passé où le mec? Ok, j'ai des hallucinations moi. Alors, et puis j'arrive pas à savoir si c'est moi qui ai eu je vais y arriver. L'hallucination ou c'est bien mon perso? Est-ce qu'il y avait réellement quelqu'un? Oula, calme-toi. Je ne sais pas s'il y avait réellement quelqu'un en fait. Ça se trouve, il n'y avait personne et c'est juste moi qui ai déliré totalement. En mode, il y a quelqu'un. Je ne sais pas, je suis perdu. Je vous avoue que là... Oula, ça a pas l'air net ça. Ça a pas l'air net. Oula, radioactivité. Bon, pour l'instant, apparemment, je peux pas aller par là. Il y a beaucoup trop de radioactivité. Hop. Pièce mécanique. J'ai cru que c'était marqué pièce de pique-nique. Cool, ouais, on va pique-niquer, trop bien. Mais pas du tout. Ah. Les mecs là-bas. Attendez. C'est lesquels les gentils? Mais ils sont mais c'est quoi cette merde? Vous avez vu la vie qu'ils ont? Abusé quoi. Abusé la vie qu'ils ont. Oh oh, faut que je recharge. Oh, j'ai plus de balles. Ok, j'ai plus de balles. On va se faire petit. Oh non. Oh non. On se casse.
On le laisse dans la merde, le gars. Tant pis. Tant pis. Plus de munitions, quoi. Bah ouais, super. Trop bien, putain. On adore. Il est tout seul. Parle tout seul, le con. Hey, il a pas d'amis, le mec. Il y a un truc par terre. T'as pas d'amis, mec. À quel, j'arrive. Ah, voilà. Prends la cache. Et prends-la. Oh non, c'est une blague. Je peux pas récupérer la calache parce qu'il y a un truc de... What? Ok, donc je peux pas prendre l'arme parce qu'il y a un truc de verrouillage biologique ou je sais plus quoi. Du coup, bah pas d'arme pour moi. Et attendez, j'ai peut-être récupéré des munitions par contre. J'ai récupéré des munitions. Donc hop, on va pouvoir recharger. Au moins on aura quelques balles, quelques petites bastos. Au-dessus de ça? Non, pas du tout. Ok, donc c'est pas par là. Regardez ça avec nous. Au cas où, on sait jamais. 15 mètres. Yo Flaco, comment vas-tu? C'est que... C'est que... On ne t'entend pas. Ton perso ne t'entend pas? Oui. Oui, je sais. Hop, petite analyse, vite zef. Il y a pas mal de trucs ici, on va tout récupérer. Il me reste 24 minutes avant que les mecs sachent que je suis ici et viennent me niquer la gueule. Très clairement. Il y a un truc là-bas là. Qu'est-ce que c'est? De l'herbe. Super. Comment vas-tu, Flaco? Hop. Alors par contre, voilà. Ration de nourriture. Il y a que dalle. On va partir par là. On va aller au point là-bas là. Oh le tuto. Je sais pas. Je sais pas. Si c'est plus le tuto. Je pense que c'est plus le tuto à partir du moment où on a pris la première. Le premier truc de spatio-temporel là. Le tuto c'est terminé, je pense. Là on entame la première mission, donc j'ai survécu. j'ai survécu encore une fois au tuto d'un jeu. Pas peu fier, honnêtement. La station va commencer un petit peu à partir. Évidemment. Test électronique. Il est toi, ouais, moi je vais bien, je vais. D'un nouveau jeu, donc on découvre un nouveau jeu qui potentiellement est intéressant, on va bien parce qu'il y a des jeux des fois j'ai cru que... mais à chaque fois que je parle j'entends des trucs chelous. Laissez-moi tranquille. Oh putain et tout, la vie de ma mère. C'est ça que je dois trouver. Mais il y a des gosses qui crient, qui rigolent. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des gosses qui rigolent là? Laissez-moi tranquille. Mais partout on dirait une école le bordel. Quoi? T'as pas dû aller par là, moi. Radio station. Munition de revolver. Oh mais qui au tuto miracle. Non mais quand même pas, arrêtez. Soon maybe know something. It's ridiculous if you need. Alors soit. Allez hop. Видел здесь одну женщину. Она балерина и скрипачка. Длинные черные волосы. Татьяна Амельева. Alors le jeu c'est ça se passe en Russie. Donc toutes les voix sont en russe. Et on a juste les sous-titres en français. Ça, faut vraiment prendre en compte ça en fait.
Non, c'est fait par The Farm 51 et je crois qu'ils sont anglais, mais je suis pas sûr. Et le code de la mission sera Panzer Kampfwagen. Ok, super. Effacer toutes les données de la base de données NAR. Un camion avec un ordinateur portable devrait se faire un arrêt d'ici une minute. Une minute. On doit le pirater pour avoir les codes d'accès aux informations principales de base de données. Waouh, ça a l'air chaud. Il y a un truc avec un super agent magique, tu sais que tu dois faire comme appuyer sur un bouton, dire je suis dedans et tout le reste. Quoi? Ils parlent même plus les mecs. Ah bugué. Il y a même plus leur voix. Михаил, ты там? Прием. Да, да, я тут. Время вышло. Грузовик почти на месте. Найди ноутбук и взломай его. Начинаем операцию Panzerkampfwagen, агент. Конец связи. Mais gros, c'est n'importe quoi. Mais je dois pirater un ordinateur. Avec quoi est-ce que je pirate un ordinateur? J'ai rien pour pirater un ordinateur, moi. Mais je viens d'où, moi, en fait? Mais je viens d'où? Comment je sors? Ah, voilà, c'est par là. Et bon, bah, on va pirater l'ordinateur. Hein. C'est là-bas. Le camion, il s'est arrêté par là-bas, je crois. C'est pas une... Oh ok. On va faire le tour. Faire le tour, comme ça ils me verront pas. On passe par derrière le camtar. Bon, ok, ils sont juste là. Est-ce qu'avec mon truc je peux biper les ennemis? Ou pas du tout? Oh, il y en a un là. Ok. Wow, 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 wow. Lui par contre je l'avais pas vu. Ok, donc il y a un mec à gauche, deux mecs là. On va essayer de voir si je peux pas buter le mec qui est là à gauche. Tant que les deux autres me voient. Oh, il y en a trois. Mais quoi? Mais quoi? Comment ça? Il y a un mec là-bas aussi. Il y a un mec là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il commence à me voir de ouf. Ok, c'est bon. Wow. Oh non, il m'a tiré dessus le bâtard. Bon alors là, par contre, laisse tomber. Mais... Oh, je suis pas mort. Oh my god. Mais cours, gros, cours. C'est le moment de courir, en fait. Y'a le camion, là-bas. Non, c'est pas le bon camion, par contre. What? C'est cool. C'est un lapin. Faut que je cours. Maintenant qu'ils sont partis, on peut peut-être retourner au camion. C'est ce camion-là, je crois. Non, pas du tout. N'est pas du tout ce camion-là. Михаил, это я достал коды. Теперь что? Прием. Отлично. Теперь проберись сюда. Тут рядом что-то типа вышки связи. Моей инструкции написано, что ты можешь. Je suis actuellement en nuit blanche, c'est dur. Ah ouais. Nuit blanche, c'est-à-dire que tu vas pas dormir jusqu'à demain matin ou t'as pas dormi la nuit dernière? Du coup, on n'aura pas survécu longtemps. Я использую ее, чтобы проверить, если в базе НАР что-то о Татьяне. Прости, Михаил. Не-не-не. Mais baisse ton god. Mais laisse ton god. Pardon, excusez-moi. Pas dormi la nuit dernière. Oula, courage. J'ai genre un manuel bizarre pour des agents. Y'a pas moyen de passer là. Quoi qu'on entend derrière? C'est pas les mecs qui sont en train de nous tirer dessus, mais comme on est dans une animation, ils peuvent pas nous tirer dessus. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que quand on va sortir de cette conversation, je vais mourir. Ah non. C'est quoi qu'on entend alors? Ok, bah on y va. Hein. Oh putain. Oh putain, ok, ils m'ont vu. On va courir. Là, je suis tellement pas prêt pour me faire violer. Hein. Clairement pas.
peut même pas prendre le camtar. Non, on peut pas le prendre. Ils sont derrière. Apparemment, ils sont derrière. On va peut-être pas attendre qu'ils arrivent. Hein. Ah, c'est marqué quoi là ? Door. Oh ! Y'a un mec là, il y en a 50 là-bas. Putain de merde. C'est pas là que je devais aller en plus. Oh my god. Mais non, mais quel bolos. Mais quel bolos. Wow, wow, wow. Il y a beaucoup trop de radioactivité par ici. On va se cacher dans la baraque, ils vont pas me voir. Bah si. Hop. Allez, ferme la... Mais en fait, je suis totalement dans la merde. Je peux passer par la fenêtre. Moi, où les barreaux sont apparus après ? Oh. Il y a de la nourriture sur cette chaise. Pas mal de trucs ici, hein. Apparemment, il y a beaucoup de radioactivité par ici. Où sont les mecs ? Ils m'ont poursuivi, mais... C'est une branche. Ok, il y a un mec là. C'est au camion, en fait, que je dois aller. Clairement au camion que je dois aller. J'arrive à les buter par derrière, mais c'est compliqué. Trop de monde. Comment tu veux faire ? Là. Ok. Je crois que j'en ai déjà tué deux. Où est-ce qu'il est ? Mais non ! Mais gros, tu triches ! Mais la vie de ma mère qui triche en fait ! Ah bah je suis mort. J'avais une seringue. J'avais utilisé une dose d'adrénaline pour échapper à la mort. Quête échouée. Pirater les serveurs NAR. Bon, en fait, c'est pas si ouf que ça. Franchement, je suis déçu. Est-ce que vous êtes déçu un petit peu du jeu, vous aussi, ou il y a que moi qui trouve que le jeu est pas si ouf que ça ? Ah, mais j'étais obligé de revenir ici. Je pouvais même pas relancer la mission, quoi. C'est une vie, point barre. Ah bah lui, il a réussi, moi j'ai échoué, quoi. Congé d'assignement, même ration que Igor. Ah, je peux bouffer Igor, pas du tout. Je reviens sans rien et Igor revient avec plein de trucs. Allez hop, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai faim. Attendez pas à ça. Mais moi non plus, moi je m'attendais à un jeu full aventure, exploration. Finalement, c'est un jeu où t'es dans un endroit comme ça, là. D'ailleurs, ça, je les avais supprimés, ça, non ? T'es dans une base, et tu dois la construire au fur et à mesure que t'avances. Tu dois faire des quêtes, avoir un système de rations. Non, franchement, je suis déçu, hein. On va recommencer, mais... Qu'est-ce que je fais ? On va recommencer, mais bon, voilà, quoi. Wesh Olivier, comment vas-tu ? Je vais penser mes blessures. Il peut pas travailler lui parce que il va penser ses blessures. Moi je vais aller me coucher. J'ai besoin de vouloir finir la journée, oui. Bon, du coup je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer juste après, en espérant qu'il y ait eu la mage.
sur Beast Inside de l'ajout du français. Ouais, moi aussi, je m'attendais à un jeu version visage, version Get Even, version... un jeu d'aventure, mais pas un jeu de gestion comme ça, en fait. Enfin, je sais pas si tu m'as compris. Bon. Vas-y, moi je... Va faire ça, toi. Attends. De marchandises. Moi je vais faire ça. Moi je fais ça. Et toi tu vas faire ça. Casse-toi. 9. Oui. Allez. Démarrer la mission. Du coup là on fait pas du tout la même chose que tout à l'heure. On va faire autre chose. Et du coup en fait quand on... What? Ok. Quand on perd la mission, on doit recommencer à zéro quoi. Et tu peux pas recommencer, faut que tu changes de jeu. Et là tu pourras recommencer la mission. Ouais, c'est spécial quoi. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit un jeu à quête. Je m'attendais à ce que ce soit un jeu à continuité. Donc les quêtes, ça m'a un petit peu mis en mode ouais, ok. C'est un petit peu choqué quoi. Mais tant pis, on accepte, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais aller voir sur le... Sur... What the fuck? C'est quoi cet endroit où je suis à 30 FPS? C'est la pluie, ça. La vie de ma mère, c'est la pluie qui fait ça. Juste regarder vite fait. Si tu parles sur le Discord, il y a Visage qui a tagué les gens, apparemment. Apparemment, il y a une grosse mage... Apparemment, il y a un truc qui va arriver sous peu sur Visage. On regardera après. On parle de stream. Yes, you can stream. Apparemment, il ne parle pas de la version française. Je pense que je le prendrai pas. Moi non plus. On dira à Sadako qui l'a sur son compte, et du coup c'est comme ça que je peux jouer. Et je vole les jeux de Sadako. Pour aller se plaindre après. Mais en tout cas, c'est pas une grande perte quoi. Vraiment déçu. Vraiment déçu quoi, c'est tout. C'est le seul mot que je peux dire. Je m'attendais pas du tout à ce style de jeu. Voilà. Surtout qu'il y avait rien qui disait que ça allait être ce style de jeu quoi en fait. Tout ce qui est trailer et tout, ça faisait vraiment penser à un jeu typo Visage, pas un jeu de gestion de camp en fait, pas un jeu de gestion de camp, c'est tout. Voleur. on pourrait pratiquement le nommer. Merde, comment il s'appelle le jeu de zombies où il faut gérer un camp également? Qui est sorti, il y a le 2 qui est sorti en exclu sur Xbox One. Je sais pas si vous voyez. What? Bonjour. Allez hop, ça. Comment il s'appelle ce jeu? Je sais pas. Gros, par contre, il me voit alors que pour moi, je suis à ras de sol quoi. Mais quoi? Ah, bah là, je crois qu'on a un problème. Je suis passé sous la map. Je peux rien faire. Je peux plus me relever. Et je suis visible de tous. Ah, voilà. Mais d'où il sort, lui? Mais non, mais... J'étais dans un bug. C'est pas gentil. Incroyable. Non, mais... Il y a des bugs et c'est encore moi qui prends. Incroyable. Mais regardez! Okay, bah j'ai fait full bugger le bon jeu en fait. J'ai fait full bug mon jeu quoi. Le cadavre il est. Mais non. Par contre c'est Bigfoot en fait. C'est Bigfoot. Mais le mec quoi. Mais incroyable. Incroyable. Mais regardez-moi, c'est Bigfoot.
Non mais par contre ça c'est ridicule hein. Non mais clairement c'est ridicule les gars. C'est quoi c'est... Ah ah. Oh oh oh. La vie de ma mère il m'a fait peur lui. Oh là faut pas que je m'approche de ça. J'ai ma dose, ma zone de radioactivité qui a baissé en flash. Ah, je peux vraiment pas venir par ici, hein. Caisse de marchandises. Ah! C'est quoi ça? What? Le bordel ici, je ressors comment? Oh, il va me niquer ma mère. Casse-toi. Je sors comment d'ici, moi? What? Mais, les gars, je suis coincé en fait. Putain, je sors comment? Je suis coincé dans un bâtiment avec des monstres radioactifs. Super. Non mais what? Ah bah j'ai trouvé la sortie tout seul. Vous avez terminé la première quête. Ah bon? Quoi? Mais je suis seul à rien comprendre ou... Non mais c'est bon, on quitte ce jeu. Ça aurait tenu une heure, c'est déjà pas mal. Non mais... Incroyable. Il fait même plus peur en fait. Je veux dire, au début, il y avait un petit passage, il aurait pu faire peur. D'ailleurs, je prends note qu'il n'y a pas eu de... Comment? Pas eu de clip qui a été réalisé. Allez, hop. Ça passe.